quitte Barcelone en direction du sud. Comme je suis parti assez tard et que la soirée avec Johnny fut longue, le stop n'était pas des plus simples. Muchas gracias. Okay, the wire. Ah yeah, the water. Always forgot the water. Muchas gracias, bye. Bye. Comunitat Valencia, Valenciana Comunitat, senyores i senyores. Bon, on va continuer à choper. J'ai un pote qui va arriver au Maroc plus vite que moi. Putain, non mec, pas par la mer, pas par la mer, t'es fou! Monsieur, ici c'est autre chose, hein. Voici Alicante.
Kamte vient de l'arabe et qui veut dire « source de lumière ». Cette ville historique portuaire est la première manifestation de la présence musulmane dans mon voyage. Apparemment, il n'y a pas vraiment de plage sauvage. Je pense dormir ce soir ici, sur le banc. On va voir ce que ça va donner. J'espère que je ne vais pas faire choper par les flics. Le lendemain matin, je décide de faire un tour en ville. C'est un endroit historique et un de ses monuments m'intéressait beaucoup. Thank you.
Sur le plus haut point de l'ancienne ville, à 169 mètres d'altitude, se trouve le château de la Sainte Barbara. Ses origines datent du 9e siècle, lors de la domination musulmane. Par après, il connaît diverses possessions, castillanes, françaises ou anglaises. Je ne pouvais pas passer à côté d'un tel endroit. La vie est route. Eh ben, faut que j'arrête la fumette. Mais ça valait la peine. C'est dans les endroits comme ici que finalement tu te rends compte que le monde est gigantesque, quoi. Je sais pas, moi depuis lundi j'ai fait 2000 km, 3000 km peut-être. Et à l'échelle d'une carte mondiale, c'est rien du tout. Mais quand tu vois ça, tu te dis, putain, il y a quand même à voir dans ce monde. C'est génial. Franchement, je suis crevé, je suis trempé. Mais ça valait la peine.
seul. Bon, maintenant retour à la plage. Parce que j'ai laissé mon sac avec une Argentine. Elle était la seule à 7h du mat sur la plage avec son copain. Du coup, je leur fais confiance. Mais bon, faut pas trop tarder non plus. Ça fait 2h quoi que je suis parti. Et ils ont mon gros sac avec tous mes affaires. Donc, j'espère qu'ils sont encore là. Sinon, vamos a la playa!